In the OPD, we see a lot of fever, a lot of diarrhea, respiratory tract infections. So the kind of normal illnesses that you'll see in this kind of context. On reçoit environ 200 à 220 patients par jour. Les urgences comptent pour beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'accidents de la voie publique. Là aussi, il faut intervenir en urgence pour empêcher que ça s'empire. We are also now offering medical care in terms of outpatient care, inpatient treatment for different pathologies. And covering a bigger range of needs rather than just post-earthquake needs, because we see now, this many months after the earthquake, the needs related to the earthquake are going down, but the regular healthcare needs are still there. So we are treating a lot more patients with regular illnesses, outpatient treatment, etc. Il faut dire qu'en dehors des cas cliniques qu'on reçoit en ambulatoire, il y a aussi la santé mentale qui joue un rôle important, surtout après le séisme. Et les gens viennent pour des cas d'insomnie, pour des cas de céphalie chronique, surtout après le séisme. Pour des cas aussi de palpitations. Ces gens-là, on demande toujours à ce qu'un psychologue ou bien à ce qu'ils voient quelqu'un à la santé mentale. 6 mois après le séisme, maintenant les gens commencent à comprendre mieux le travail des psychologues. Par exemple, la fille qui vient d'arriver tout à l'heure, c'était pas un cas vraiment médical, c'était pour les psychologues. En sortant, elle ne m'a même pas dit qu'elle va voir le médecin pour prendre les médicaments. Respiration. Donc, faire respiration, râler l'air dans la nerf, la gueule dans la bouche, sans qu'on va concentrer. On utilise beaucoup plus ici la thérapie cognitivo-comportementale. Par exemple, il y a des patients, depuis le tremblement, ils ne peuvent pas passer tout près de leur maison, ils évitent la zone. Parfois, on peut demander à la personne, il peut aller seul ou avec quelqu'un, directement passer 5 minutes tout près de la maison. Un jour et puis une autre fois 10 minutes. La thérapie cognitivo-comportementale, c'est surtout pour abaisser le niveau d'anxiété des personnes aussi. Parce que la personne anxieuse évite toujours les mêmes situations. On essaie de faire la personne, de rapprocher la personne beaucoup plus de la situation où elle évite. Parce que parfois, l'évitement, ce n'est pas la solution et la vraie solution au problème du patient. Parce que c'est possible qu'on administre beaucoup de médicaments à un patient pour ce qu'il présente cliniquement, mais au fond, le problème n'est pas résolu. Là, il faut quand même voir si ça a rapport vraiment avec la psychologie. Et de là, la psychologie peut intervenir et faire son travail. Et ensemble, on travaille pour le bien-être du patient.